Mais en réalité, après, vous savez, c'est, il faut qu'on soit plus fort que l'autre. Parce que l'IA est à ma qualité pour la SEC. À un moment donné, détails mouillantiers, c'est des détails qui sont des détails aussi très importants. C'est la vie du corps, ça veut dire une compétition. Tu n'as pas besoin d'avoir 200 occasions, ou des clés, soit des clés, pour les abonnés. Et aussi ne pas prendre des buts, parce que imagine, on prend des buts, le but, tu ne peux pas prendre des buts comme ça. Donc, au fin fond, des buts. Mais je vous dis que ce qui est très important, en mes fins là, moi je suis un paraquet, mais je suis conscient aussi d'une chose, c'est que, par exemple, Mamoulou aujourd'hui, la majorité, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est leur première fois de compétir réellement, mais souvent c'est compliqué. Ça, je ne dis pas. Mais là, après, c'est des joueurs. Pendant un moment de nous doit avoir des ambitions. Vous le prenez un joueur, les joueurs font un peu. Pour que l'équipe, nous y équipons Balkan. Mais c'est la compétition qui est là. C'est pas possible. Donc, on croit qu'on entraîne le pouvoir baraquer. Mais après, les joueurs de foot doivent avoir des ambitions. Mais les ambitions qu'il a, c'est pas la peine. Parce que ce que je vois, ce que j'ai vu ces derniers temps, aujourd'hui, ça me rend malade, c'est surtout ça. Vous pensez sincèrement que Nitra. Et quand tu vas chercher et l'équipe de la bataille de meilleur avant-centre, il est à Tarana. C'est pour l'apprendre à marquer les buts. Non, Ronaldo il part à la Juve, c'est pas pour l'apprendre. Mais c'est quatrièmement fillette. Cherchen Diabaté, il part à Borgo, c'est pas pour apprendre. Je vais citer deux joueurs, Mardialo il part en France, c'est pas pour Nantes, c'est pas pour apprendre à marquer des buts. C'est parce qu'ils ont les qualités. Nous on fait venir les joueurs, on a un joueur Messard là. On a estimé que ces joueurs-là, aujourd'hui, c'est quand même les meilleurs programmes de Ligue des Champions. Ces joueurs-là. Autant, il n'y a pas que dans les conditions normales, ça fait partie du programme. Mais entraîner le programme, où tu dois travailler sur le plan physique, sur le plan. Tout ça, entraîner le programme. Là, tu es en train de faire un programme, tu vas entraîner Badabi. Mais je vous jure, un joueur de football, si tu as trois occasions, il était clean sur trois, tu n'as pas beaucoup. Et ça, c'est ma conclusion. Deux semaines, on n'a que deux semaines. On n'a que deux semaines. Et même imaginer, à l'heure seule, ça n'a pas de pente. Moi, je te dis. Et ça rentre dans le cadre de la préparation. On n'est plus dans ce cadre. Et ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on va se préparer sérieusement pour qu'un match incomplet, comme il y a cette catastrophe. La seconde match, j'ai dit, j'ai très bien. La seconde, on n'a pas été recul parce que les Balkans ont gagné de façon globale. La seconde, on n'a pas été recul. Mais ils ont été plus efficaces. Aujourd'hui, il faudrait que les gens prennent conscience. C'est tout. Ils ont été plus efficaces. On n'a pas été bons défensivement parce que tu prends des buts. Le but a été fait quand tu as gagné sur l'heure. Et quel but? Donc, c'est pas normal à ce niveau. Il faut qu'on trouve la solution très très rapidement à ces deux problèmes. Ne pas prendre le but, à mes regards, on sera en gardien. Et c'est dans la tête que ça se passe.